On est à Verrières. On est sur un site qui a connu des aménagements et on est allé auprès des locataires pour leur poser la question de que voulez-vous en faire. L'idée du jardin a germé avec une dizaine de personnes qui ont décidé de mettre en place un jardin collectif pour en faire un espace partagé et ouvert aux autres locataires avec la possibilité pour les autres locataires de venir dans cet espace et du coup de créer une dynamique de quartier, de reconstruire du lien social et du vivre ensemble. Bon, c'est bien que tu aies pu venir. Tu travailles aujourd'hui ? Ouais. Je travaille le matin, l'après-midi un peu, et voilà. On est sur un jardin tout collectif, où les habitants se retrouvent une ou deux fois ou plus par semaine pour jardiner, pour entretenir le jardin. Et on fait quelques plantations d'automne, poireaux, choux, et on est sur les gestes de base du jardinage. Il y a des choses que nous, on a achetées nous-mêmes, et il y a des choses que c'est justement Damien qui a ramené, comme aujourd'hui les poireaux, tout ça. Si on veut des poireaux à l'automne, on les plante plus tôt. Là, ça sera plutôt des poireaux d'hiver, de fin d'hiver. Là, les poireaux, on ne va pas les récolter avant le mois de mars. Les racines se sont bien développées et trop. Et donc, on coupe pour que ça stimule, que les racines, après, elles repartent bien. Tu vois ? On met un peu de compost de terreau. Ça permet de se rencontrer entre voisins. Les enfants y participent aussi. Ils se voient, ils s'amusent aussi. Bon, ils nous arrosent un peu des fois, mais voilà, et c'est bien parce que on se voit souvent du coup, et des gens qu'on ne connaissait pas, on a fait d'amitié quoi.